Reste outil pour la suite, j'ai juste, pardon, lancé le voyage. Donc il y avait une ville, une île en bas. Une ville, ouais, plutôt. J'y suis allé. J'ai pas continué jusqu'au Dungeon 7, mais après on va remonter pour l'affronter, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, le combat de focus que je devrais enseigner tout de suite. Oula, putain de molette. Tac. Ça arrive de drop des livres comme ça. Voilà. Ah, ma caméra qui est pas très droite. Voilà. Alors, qu'avons-nous sur cette île? De la bouffe, des armes, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Bon bah, allez, c'est parti. Non, on va quand même aller ici pour restaurer le moral de tout le monde. À la taverne. Voilà, je pense que ça a bien remonté là. C'est bon, on se barre. Ah, il y a une tortoise. Il est bourré. C'est bon. On m'a rien du tout sur cette ville. J'ai espéré qu'il y ait des livres pour le noob. Mais non, pas du tout. Oh, ça va être long quoi, c'est pas possible comment ça va être long. Niveau 96, ouais, ça monte. Moi, on peut pas dire que j'ai pas eu de courage à finir ce jeu là, ce foutu jeu. Alors sur l'île, il y a trop de... Ah, c'est des pirates qui viennent nous envahir, ça. Ils sont aussi nombreux? Waouh. Ah ouais. Ok. Ok. Bon bah, AFK cérébral. Par contre, le noob qui prend la sauce là. Si vous pouviez le protéger. Remarque, ça va, 2v1, il en a déjà géré un. Jonathan. Par contre, sur le reste de l'île, il y a encore des bonobos. Ah non, des old. Ça s'appelle des old. Putain, regardez le nombre de personnes qu'il y a sur cette île. C'est hallucinant. Alors que je n'ai plus de musique, mais vous inquiétez pas, je pourrais gérer ça. Non, mais s'il tombe. Mais putain, mais regardez. Mais c'est con. Mais ce jeu, il est complètement con. Voilà, je continue à péter un plomb, voilà. Alors désolé, ouais, il va encore dire que je pète des plombs. Mais c'est quand même complètement con. Comment tu peux te noyer ici? Je veux dire, il y a le rebord là. Ça fait comme ça la plage. Ça fait pas ça, il n'y a pas un fond de 20 mètres ici, là. Et puis c'est des pirates, merde, ils savent nager, bordel de fion.
Et puis merde quoi, comment tu peux, dans ce cas-là, comment tu peux mettre des mecs ici, ils arrivent et boum, ils se prennent un coup, ils meurent. Un niveau 200, il peut se faire fumer par un mec niveau 15, juste parce qu'il arrive, il lui met un coup, il le tue dans l'eau. Non mais c'est n'importe quoi, mais putain. Non mais quand même, non mais, et je m'énerve, mais quand même. Quand même quoi, petit effort, le jeu ça fait 12 ans qu'il est sorti quoi, et il y a toujours autant de problèmes. Et bon, je me calme, je ne vais pas le rage quitte, comme j'ai rage quitte Pharaon. Pharaon, je l'ai rage quitte, à chaque fois que j'ai dit que Pharaon c'était le meilleur jeu de l'univers, et je l'ai rage quitte quelques peu de temps après. Vous en faites pas, j'ai pas rage quitte. Oula! Voilà, putain de bug. Non, c'est bon, je rigole. Alors oui, des mecs, des skeletons, voilà. Des skeletons avec un coffre. Bon, on y va, on y va. Non, franchement, ce jeu, je me répète encore, je l'ai déjà dit plein de fois, bête de jeu. Mais alors, ils auraient fait un effort, un tout petit effort, tout petit effort, tout petit effort sur certains trucs. Sur certains trucs énervants comme ça aurait été une mine. Mais des fois on comprend pas. On comprend pas trop les choix de développement. Mais bah déjà quand il est sorti le jeu, en early access, il était truffé de bugs quoi. C'était une alpha quoi carrément. J'ai rien contre le fait de sortir des jeux en alpha, en early access, c'est ça le but. Mais quand même, hein, déjà payé pour un jeu qui n'est même pas un jeu, quoi. Enfin bref, c'est le but des Early Alpha. Je dis rien. C'est vrai que le jeu a énormément évolué. Ils ont fait beaucoup d'efforts, hein. Mais c'est juste que, bon, il y a des trucs un peu cons quand même, tu vois. C'est juste ça, en fait. Il y a des trucs cons. Des trucs cons dans le jeu. Et là, franchement, pour être honnête, je suis bien pressé de le finir. Ça peut paraître surprenant vu tout le bien que je lui ai dit. C'est vrai que c'est un bon jeu, mais voilà quoi. Franchement, le finir tout le temps les mêmes choses, farmer, farmer. C'est même pas du farm. Oh, je vais même pas prendre les Dungeon Sets ici, je vais les prendre ici là. Il y en a un ici, Dungeon Sets. Ouais, je voulais dire, c'est même pas du farm que. Intéressant quoi. Et si je fais ça là, regardez, si je fais directement je vais directement ici, est-ce que ça va me aller sur l'île? Bonne question. Je suis pas sûr, il me semble que ça esquive l'île et ça va directement au pirate. Enfin au bateau pirate dans G6. Ah pas sûr, je pense que ça va aller sur l'île. On va voir ça tout de suite. Ah voilà, engage, voilà, ça esquive les îles. Donc ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est esquiver les îles tout simplement en rocher. Parce que voilà quoi. Voilà. Hein, vous m'avez compris. Saturation, saturation. Canons là, les canons, s'il vous plaît. Pas de canon, moi j'envoie pas de canon, tu m'envoies pas de canon. Pas de boulet. Hein, fair play un peu, fair play. Fair play quoi. Y a pas de fair play dans la piraterie? Hein? Est-ce qu'on vit? Mais non mais regardez, il s'est suicidé tout seul! Oh mais non mais. Oh là là. Non mais franchement, mais please, le jeu, please. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver.
Oh là là. Sérieusement, le jeu. On va jamais y arriver. Je vais finir ce jeu dans 55 vidéos. En plus, j'avais mis mes TP et tout. Hein. Please, quoi. AFK. Donc je comprends que ça soit. Attendez, mais là il vient de s'envoyer un boulet de canon à lui-même ou c'est moi qui lui ai. J'ai pas bien vu. Non, c'est pas moi. Et je crois qu'il s'est envoyé un boulet de canon à lui-même. Enfin bref. Ouais, j'allais encore dire du mal du jeu. Je disais, je comprends que Pixel Piracy soit la série de YouTube que j'ai faite d'avoir regardé. Y a vraiment pas beaucoup de viewers qui matent du Pixel Piracy, je comprends, c'est normal. Le jeu, quand il est sorti, il avait un potentiel énorme, mais à la fin, ça devient juste saoulant. Le jeu est juste devenu gavant. Allez, on se barre, on se barre. On se barre, on se barre, on se barre, speedrun. Non, speedrun parce que là, voilà. On arrête les conneries, hein. On se concentre, c'est la fin du jeu qui nous intéresse, quoi. Oh là, regardez la distance qu'il faut faire, quoi. C'est pas... Moi, je vais faire ça, hein. Je vais cliquer dessus, je vais faire ça, et voilà, hein, ma bite. On fait ça? Non, il faut quand même que j'entraîne mon noob. Je pense que je vais entraîner mon noob. Regardez tous les combats qui me restent là. Et je vais entraîner mon mute. Oh, mon mute, n'importe quoi. Donc mon noob. Je vais entraîner mon noob. Jusqu'au prochain ennemi légendaire. Après les ennemis légendaires, j'irai directement sur eux. Hein. Parce que là, ça suffit quoi. Bon, est-ce qu'on va atteindre au moins le niveau 100? Avant la fin de la vidéo. Pas sûr, hein. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, regardez, il a lâché le boulet de canon plein sur ma gueule. Ça m'a fait 100 et quelques de dégâts. Ouais, donc ils peuvent viser leur propre vaisseau. Apparemment. Apparemment, c'est possible. Non, mais regardez, il continue à se suicider. Mais pourquoi tu te suicides? Mais putain de jeu fini à la pisse. C'est un jeu fini à la pisse. Non, mais non, il faut que je me calme parce que là... Je vais encore rage quit, je le sens. J'ai envie de rage quitte la vidéo là. Non mais c'est pas possible. Sérieusement quoi. Pourquoi tu te suicides? C'est pas possible quand même.
Oh la vache. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Non, j'abuse là, j'avoue. J'abuse de dire des trucs comme ça. Ah, il y a un boulet de canon qui a explosé sur notre gueule. Il s'est vissé lui-même ce coup. Ah, deuxième fois en plus. Il a pratiquement tué un propre membre à lui. Ah, venez tous là. Du coup, j'hésite à les faire venir. Non, on va quand même les faire venir. Ouais. Allez, venez ici là, au fond. Arrêtez de rester ici, de vous suicider. C'est bon, il suicide pas. Non, 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 mais. Non, mais. C'est lui qui suicide là. Mais tu te suicidais jamais avant toi. Mais pourquoi tu te suicides comme ça, putain? Je vais plus jamais aborder. J'ai plus jamais abordé. J'y vais que avec mon chef. Jusqu'à la fin du jeu, j'aborde qu'avec mon chef. C'est décidé. Les autres, ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Et si je mourais? Petit plongeon dans la flotte. Petit requin. Hein? On est bien dans l'eau finalement. Hein. Quand on sait pas nager alors qu'on est un pirate. Hein? Bordel de fion. Non mais il meurt parce qu'il y a des requins, regardez. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pas parce qu'ils savent pas nager, je sais, j'exagère. Voilà. Voilà, mon chef, il y va tout seul. Il ira tout seul jusqu'à la fin des temps. Et puis c'est tout. M'en fous. Je m'en fous si ça met 150 ans. Je mets encore plus de temps à charger les parties de mes fesses de. Voilà. De la vie, de l'univers. Et puis AFK, hein? Ah, la petite musique de la relaxation. Relaxation des nerfs, parce que là, les nerfs, ils sont à bout. C'est passionnant, hein? Passionnant le jeu. J'ai l'impression que le son du jeu est revenu. Attendez, je vais enlever la musique pour voir. Ah mais j'ai l'impression que vous avez le son du jeu là. Normalement dans toutes les vidéos que j'avais enregistrées, le son du jeu n'est pas enregistré. Mais là j'ai l'impression que... D'après mon logiciel de capture vidéo, hein, truc de professionnel, j'ai l'impression que... Il m'informe des émissions d'ondes sonores. En provenance du jeu vidéo Pixel Piracy, donc possible que vous ayez enfin le son du jeu. Marrant. Je regarderai ça sur l'enregistrement. Parce que là je peux pas entendre les propres vidéos que je suis en train d'enregistrer maintenant. Évidemment. Ce serait enfin cool. C'est vrai que. Par contre au niveau du son, le jeu est assez sympa. C'est assez marrant de voir les pirates crier. Comme ça, comme des cons, quoi, simplement. Ah, j'espère que du coup, vu que vous avez le son du jeu, j'espère qu'il n'est pas trop fort. Ça se trouve, ma vidéo l'est niquée. Ça se trouve, ma vidéo est niquée. Non, normalement, ça devrait aller. Alors, ouais. Ouais, par contre, je vais farmer toutes ces batailles-là, au moins toutes celles-là. Après, on ira jusqu'à la ville. Voilà, premier Danger 7. Ah ouais, non. Non, 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 Plunder.
premier Danger Seven. Pardon, j'ai cru que le voyage avait déjà commencé. Je m'étais mis AFK. Ils sont en train de tous de monter de niveau. Je l'entends. Engage évidemment. Donc voilà, le Danger 7 à quoi ressemble. Voilà, il ressemble à ça. On dirait pratiquement mon vaisseau, hein. On dirait pratiquement le vaisseau d'un Legendary. Bah l'attaque, hein. Putain mais il a faim mon capitaine. Non mais non, il a faim. Mais putain, mais j'avais pas mis de la bouffe. Oh putain, j'ai pas mis de bouffe. Oh le con, vite. Ah ouais non, c'était dans mon précédente sauvegarde que j'avais mis de la bouffe. Oh la merde. Allez vite, bouffe ça, moi. Laisse le capitaine bouffer. Allez vite. Oh putain, ils vont nous aborder avant. Moi, c'est pas si grave. Remarquez, je pourrais les laisser nous aborder, hein. Ça irait beaucoup plus vite. Bah oui, je suis con. Pourquoi je fais pas ça dès le début? Je suis con. Bah c'est... En fait, je devrais prendre mon capitaine, les aborder les 30 premières secondes, pendant que les autres cons peuvent pas. Ensuite, prends-toi, va ici. À partir des 30 secondes, je me barre. Ah par contre, ils tapent, hein. Wow. Ah, les Danger 7, ils ont l'air de taper, hein. C'est rare qu'on me mette à 70% de vie, quoi. C'est vraiment rare que j'arrive à 70% de vie. Un mec vénère. Vénère des terres sévères. Hop. Ok, à l'abordage. Par contre, ne reste pas ici, il va direct au fond. Ah, les Danger 7, ça rigole plus trop. Voilà, il a réussi à esquiver le coup. Non, 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 mais reste pas ici. Ah putain, c'est quoi ça? Il a pris un hobo comme animal. On peut avoir des hobos. Ah, c'est intéressant en fait d'avoir des animaux. On peut avoir un hobo. Donc un humain, hein. Vraiment. Et on se casse, Plunder. Plunder the ship. Et ça rajoute pratiquement 300 d'or de Plunder à Danger 7. Donc c'est plutôt cool. On se refait des petits Danger 6 avant le combat. Ah.
Donc en fait, la stratégie. On aborde pendant les 30 secondes où ils peuvent pas nous aborder. Sinon, je les laisserai nous aborder. On aborde, on leur fait déjà quelques dégâts. À lui, près de préférence, parce qu'il a déjà armé un canon, bordel de fion. Voilà. Et voilà. Putain. Plus, il a raté, complètement raté. Et voilà, une fois qu'on arrive à 8 secondes à peu près. Oula, oula. Allez, allez vite. Retourne sur le bateau. Non, mais retourne sur le bateau, j'ai dit. Non, mais. Ah là, 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 là. Il est bloqué. En fait, la technique la plus rentable, c'est de les laisser venir. Même si on peut supposer qu'il faut profiter des 30 secondes pour faire des dégâts, commencer à faire des dégâts, mais... Non. Après, il reste bloqué trop facilement. Quoi. Heureusement, c'est un Dungeon 5, ça va plus assez rapidement, normalement. AFK, je vous dis AFK, niveau 99, mais par contre je vais arrêter après ce combat, donc désolé pour le niveau 100, ce sera la vidéo suivante. Regardez là, il est en train de psychoter dans le mur. Une sorte de bug psychotique. J'ai envie de dire. Non mais. Et voilà. Plouf. Et on se barre vite. Donc voilà, merci d'avoir tout regardé. Hein. C'était assez éprouvant. On va lancer ça juste pour sauvegarder. Ah oui, bien vu le jeu. Donc on a tué un légendaire, on peut être fier de ça. On a exploré pas beaucoup de la map, regardez. Par rapport à la totalité de la carte, on a exploré plus un cinquième, tout ça quoi. Mais bon, on va pas vraiment pas tout explorer, on va aller directement aux légendaires hein. Qui sont relativement loin quand même, vu le temps qu'il faut. Mais je pense qu'on va aller en speedrun après avoir fait ces combats. Et je veux juste pas ruiner tous mes soins en fait sur le noob là. Niveau 24, ouais putain, il faudrait que je l'emmure en fait, faudrait que je l'emmure. Pendant le combat légendaire, je vais l'emmurer, en fait il me sert à rien. Je n'aurais pas dû le recruter. Tout simplement. Bah voilà, c'est la fin. Merci encore, ciao ciao, à tout de suite pour la suite.